Salut à tous, c'est Fabkick. Nous sommes toujours le jeudi 31 mai et en fait là je suis avec mon second personnage et cette nuit j'ai trouvé un nouvel endroit de spawn que je vais vous montrer maintenant. Donc franchement c'est aléatoire mais faut y aller puisque c'est pas des voitures super sportives on va dire, c'est des voitures de collection. Donc on va dire que là c'est où il y a la paillote, le quartier de gang, là il y a la paillote, bah en fait ça se situe là. Là, il y a une casse. En fait, là, il y a une casse. Il y a un petit well-brèche entre deux conteneurs. Bref, là, vous y allez la nuit. Et la nuit, vous risquez de tomber comme moi. Mais malheureusement, elles ont disparu une fois que j'ai voulu faire une vidéo. Bah, j'ai trouvé deux véhicules très très rares. Et là, en fait, j'ai trouvé ce véhicule que hier matin GTA. Malheureusement, je suis désolé puisque ce véhicule, en fait. Bah, ne rentre pas à LS Custom puisque ce véhicule est à vendre sur Legendary Motorsport. Mais en fait, je me suis baladé avec toute la journée GTA, toute la nuit et tout ça pour trouver ce véhicule. Donc franchement, bah voilà, encore un nouveau véhicule, je ne sais pas, mais en tout cas la couleur, elle pète sa mère. Faut être honnête. Franchement, c'est un bon vert mat. Bon, l'autre, par contre, autant l'abandonner. Hein, je suis désolé. J'ai voulu vous la montrer toute neuve. Mais bon, bah, il fallait que je tienne une journée et une nuit GTA bah, pour vous montrer ce véhicule. Donc, je vois pas très bien ce que ça peut. Merde, la débauche rapide GT sportif. Bah, pareil, bah, c'est la même. Hein, à part que c'est pas le même délire de couleur. Regardez. Ouais, c'est la même en fait. Bah, en fait, c'est ce véhicule-là. Ouais. Bah ouais en fait je suis con moi. Ah bah non regardez derrière en fait. La différence c'est que l'autre elle a les merde les barres de renfort. Et celle-là franchement elles sont pas mal hein. Bon dommage que l'autre elle est défoncée hein, faut être honnête. Donc là il est quelle heure? Il est 13h en fait depuis franchement c'est là franchement c'était aléatoire. Puisque c'est vraiment le premier véhicule que je trouve aujourd'hui dans GTA je veux dire. Hier j'ai trouvé celle. Bah elle est plus là déjà. J'avais trouvé celle-là. Plus à l'endroit où je vous ai indiqué, j'ai trouvé deux belles voitures de collection. Et en plus, le nom c'est Vipid Peugeot, donc un véhicule très rare. Et là, j'ai trouvé celle-ci. Donc là, je vais refaire un petit dernier aller-retour, mais je pense que j'en trouverai plus. Mais au moins, voilà, ça fera un véhicule en plus dans mes vidéos pour les véhicules de la rue. Donc franchement, moi, ça me fait plaisir. Et en plus, ce véhicule-là, je ne l'avais jamais trouvé. Celui que j'avais trouvé l'autre fois, je ne pense pas que c'était la même. Donc voilà, pour moi, ça méritait d'être filmé et ça méritait d'être partagé. Donc voilà, maintenant, je vais faire juste un aller-retour pour voir s'il y a moyen de trouver un autre véhicule. Mais non, je ne pense pas. Après, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais là, vu la peinture et tout, moi, je me suis dit, ouais, ça mérite d'être vu. Donc, bah, je vous la montre. Maintenant, bah, vous la regardez, ouais, je pense qu'elle. Voilà, les gens, franchement, elle pète, il faut être honnête, quoi. Un beau vert mat, je sais pas quoi, vert olive mat. Franchement, elle est terrible, moi je kiffe. On dirait un vert lime en nacré, je sais pas. Mais c'est une belle peinture. Donc, moi, voilà, je voulais vous la montrer. Donc là, j'ai fait vite fait un demi-tour pour voir s'il y a un autre véhicule, mais je pense pas, puisque, ouais, il est 14h GTA. Mais bon, enfin bref, le principal, c'est que voilà, ça fait encore un nouveau véhicule de la rue, malgré qu'on ne peut pas rentrer à LS Custom avec. Mais bon, c'est comme ça, c'est GTA. En fait, c'est pour vous dire, nous, on le trouve dans la rue, on va se dire, ouais, il nous le faut, il nous le faut. Et puis nous, on va aller l'acheter sur Legendary Motorsport. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, bah, vous aura plu. En tout cas, bah, moi, voilà, et tout ce qui est véhicule de la rue, je vous les montre. Hein. C'est dommage que ce véhicule, on ne peut pas le custom. Mais bon. Ça fait un nouveau véhicule de la rue qu'on a trouvé. Je vous l'ai présenté. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt sur GTA 5 Online. Ciao!